Bon les refs, comment ça va? Comment ça va, bande de beaux gosses? J'espère que vous allez tous bien, que vous avez passé une bonne journée les gars, que tout va bien pour vous et que vous avez kiffé le premier épisode du MPJ Michael Paff Jordan. Franchement une dinguerie les gars, franchement une dinguerie. Désolé, j'avais beaucoup bafouillé et tout, mais normal. En tout cas, sachez que lui, MPJ va très bien. Il est beau gosse, il est en costard, tout va bien pour lui les refs. Bon les gars, on a fait du très très sale lors du match, notre petit rival, la finale de Summer League. Donc moi je vous propose les gars, qu'on s'échauffe tranquillement avec Chris Brickley là, qui veut qu'on aille le voir pour une petite séance de sport. Mais avant ça les gars, on va voir les petites animations qu'on peut acheter pour le perso là. Oh, comme la dernière fois, je vous propose qu'on se retrouve dans 3 secondes. 1, 2, 3. Bon, on a fait pas mal de petits trucs, moi je pense qu'on peut aller s'entraîner avec Chris Brickley les gars. MP, how's it going? Nice to meet you. Oh, nice. MPG, nice s'il te plaît, pas MP. Hey, I hear you the man around here. Is that true or false? I don't know about that. But I've helped some of the biggest names in the league work on the game. Who are we talking then? James Harden, Jimmy Butler. Ok, on a des défis, les gars. Défi à 3 points d'une minute. Match d'entraînement en 3v3. Finition fatigue. Zone préférentielle, passe, KO. Pick and roll. Oh, let's go. On va se faire un petit match d'entraînement, les refs. Bon, par contre, le costard, là, va falloir changer, les gars. Ah c'est fini? Ah oui en effet, heureusement que j'en ai pas fait une vidéo complète. Allez hop, on les a lavés messieurs dames. C'était de rapide efficace. Who the hell? There he is! Come on now! The Summer League champ, baby! Alright now, be honest. How does it feel? Man, I don't know, man. It's just Summer League. Like, just summer. I feel like I'm just getting started right now. Oh, you definitely just heating up, though. Come on, now. I am seeing lots of positive engagement on social. Oh, let's hear a little bit. MP won't admit it, but he loves that stuff. Whoa, 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 whoa. Admit it? Like, I mean, yes, I'm human, but, you know, I like compliments, too. I mean, especially when they're deserved. I tell you. Imagine not wanting MP over Shep. Could never be me, fam. Thank you for the recap and all, but I was, you know, hoping that maybe we could, you know, look forward and talk about something that's possibly coming up, you know? Okay, yeah. Eyes on the prize, I that's love it. It. All right, Ashley, go. You have a meeting with Freddie Novak, okay. New head of brand and marketing. He wants to talk to you about some of the PR initiatives he's spearheading. Okay, let's go. Lots of data-driven stuff, how to leverage research into results. I think you'll like it. Yeah, I actually read an article about him in the Pindown. He's a very, very interesting hire. That's right. Very. Mm-hmm. Okay. No, on veut game, bro. On veut game. Mainly, we just want you to focus on ball, man. Man, y'all take voilà. It. Voilà. Merci. Like, for real. Merci. On veut notre premier match NBA avec les Lakers, les gars. You feel good about all this? Feel great. Okay, good. Feel good. It's a long-term game. You know what I mean? Just taking it step by step. That's it. That's all we can do right now. Pace ourselves. Let's do it. Okay. Getting top takes on the phone. All right. Ok, hey, let's go les gars. Bon, apparemment, ça c'est bien vu, notre bail à la Summer League. Donc du coup, maintenant, on doit aller faire du sale. On doit aller faire de la NBA. Hein, la ville, les gars. La nouvelle ville NBA 2K23, bienvenue. Elle est beaucoup plus petite, comme j'avais dit, comme je vous avais dit lors de la dernière vidéo. Tant mieux. On va voir ce que ça donne. Hein. Comme je l'ai dit un milliard de fois, on va découvrir avec le temps. Mais plutôt encourageant, les gars. Plutôt encourageant pour l'instant. Hey, how you doing? MP, nice to meet you. Oh, you know my name. It would be weird if I didn't. Yeah, that's a good point. You're right on time for your meeting with Mr. Novak. Elevator's over there. Cool, cool. Yeah, thank you so much. Olive. Olive, wow, that's a nice name. It's a pleasure to meet you, Olive. Comme l'huile. Nice to meet you, too. L'huile d'olive, welcome c'est très bon. Thank you. MP, it's great to finally meet you. Pleasure's all mine, man. Hey, I read the article about you in the Pindown. You're one data-obsessed cat, man. Well, you can never have too much data. I'm glad you came. Look, this Shep thing. Je l'ai fumé, frère, y'a pas d'histoire. Je l'ai fumé, gros. We're gonna need to put in some work to make sure it doesn't have a negative impact on the start of your career. Okay. Yeah, so just like work hard, play well, make people forget Shep ever existed. Yes and no. Let's say we put you in the starting lineup tomorrow and you stumble a little bit. Normally, no big deal. But 68% of our fans wanted Shep, and of that 68%, 95% have a highly unfavorable opinion of you. Okay, so that's basically corporate speak for they hate my guts. Correct. Yeah. Which means it becomes a story. Putain, mes fans nous détestent, frère. Putain. So the top take on va leur prouver le contraire, hein, normal, mais look, putain. There's no reason to think that you're not going to take off right out of the gate. But any hiccup in your play, and we've got a distraction on our hands.
It's bad for your growth, bad for team chemistry, and it makes Phil Boyer look bad. Mm-hmm. He stuck his neck out for you on draft night. Okay, so what's the solution? Comment foutre la pression sur un joueur NBA, mon ref? Vamos. Glad you asked. Ça ne marche pas, frérot. Je connais pas la pression. We identify key influencers in our biggest target demos, and we develop a strategy to win their affections. Wait, so you're telling me my playing time is dependent on what? Whether Johnny TikTok thinks I'm based or something like that? I know, it's ridiculous. But everything's connected. If we don't deal with this in a holistic manner, it could affect the bottom line. When the bottom line's affected, the governors aren't happy. When the governors aren't happy, nobody's happy. Okay. I just want to be a pillar in this community, man. So if we can find a way to make this, you know, Win the City initiative be a part of that, I'm sold. But I also don't want to do a bunch of PR fluff, though. Same page. 100%. Look, I've already talked with your whole team about this impressive group of people, by the way, and they're going to take a lead on it, okay? But my door is always open. Freddy, man. Si on pouvait éviter d'être transféré, ce serait bien. J'aimerais bien faire une saison dans une même équipe, ce serait bien. It is an honor to work with someone as talented as UMP. I'm really looking forward to seeing what we can accomplish together. Ok, ça nous met pas mal la pression, les gars. Mais vas-y, au calme, on va faire du sale. Et on va aller jouer notre premier match NBA. Voilà, donc posez-vous confortablement. Si ce n'est pas déjà fait, pensez à lâcher votre plus beau like. Abonnez-vous, tout ça. Venez me suivre sur Twitch quand tu vois la vidéo. Ce soir, je suis en live pour les premiers. Enfin, je suis en live très souvent, donc venez me suivre sur Twitch. Et puis, let's go, baby. Oh! Frérot, on est dans GTA ou j'ai lancé le match, les gars? Lakers, Warriors. On va jouer les Warriors, les gars. Oui, j'espère que ma voiture, elle est... Elle est pas là. On a la sécurité ici. Putain, c'est stylé, frère. Faudra vraiment que je me fasse un flow, les gars. Surtout s'il y a les photographes et tout. Les petits logos NBA. C'est stylé de ouf, les gars. C'est stylé de ouf. What up, kid? What's going on? Putain, c'est stylé, les gars. I appreciate you being here, but like I said, you ain't gotta do this. What? This is the in-person treatment that you hired me for. Look, just remember this day when Barry and Associates shows up, trying to see if you need a new agent, all right? Aye, yo, fair enough, man. So where do we start, man? Let's go on this little tour. Well, are you ready, sire? Don't do that. Cut the little butler act, man. Act normal, bro. Yeah, that didn't even feel right. That was, it wasn't. All right, but check it out. First up, we have the only runway in the world that can compete with Paris Fashion Week. Yeah, bro, that looks like a pretty normal hallway to me. Yeah, to the untrained eye, it's a normal hallway. But we both know that them pregame walks have made fashion icons out of Russell Westbrook, SGA, LeBron James. I mean, the branding. Qu'on arrive stylé au match, en fait. Vraiment qu'on pense à arriver stylé au match. Get some shine on the court, you know, getting your fashion bag. Photographer's gonna be all over you, bro. And the best part is, all you gotta do is show up ready to work, look and fly. Come on, and I can do that, can't I? Yeah, maybe with a little bit of help, you can. Sure, bro, I get fly. It don't even matter. Right now, I just want you to focus on your game, right? Fashion can come later. All right, so check this out. Talk to me. Down this way, you got the press room. Now, anytime you got some post-game media availability, this where you're gonna wanna go. Okay. Now, Ashley will meet you tonight after the game to walk you over, you know, give you some more pointers, but typically it's gonna be on you to make sure you don't miss these opportunities. Sure. I mean, opening yourself up more for the press, it's just better for you. I mean, but you're a natural born leader, you get that. Bro, I do this, man. I could do media in my sleep. All right, you know this. Well, one more note on that. The media is allowed all through this hallway. So you might get stopped for press time just when you're walking around. And because I said that, you are under the microscope here, all right? Bro, you ain't gotta act accordingly. That's all I'm saying. You ain't gotta make it sound so intense, man. I got this. All right. What else you got for me? All right, well, down here is also the arena manager's office. You probably not gonna go there much, but you know, just so you know. And also, there's your standard, generic meeting room. Now, once again, you're probably not going to use it much, but... C'est stylé, I mean, parce qu'on rentre encore plus dans, dans la peau du perso, tu vois. Guys at the tabloids, right? Yes, look at you paying attention. I like a little that. Bit, man. And then down further a little bit this way, you've got the locker room. And looks like Coach Graves is waiting for you, actually. Okay. D'accord, vas-y, bon, on y va. Moi, je veux jouer, les gars. That's it. Now, ça fait 10 minutes, là, on papote, mais moi, je veux jouer, les refs. Go out there and have fun, man. Appreciate it, man. Again, man, it's always good seeing a familiar face in new settings. Man, don't even mention it. That's what I'm here for. Have a great game, man. All right, man. Nice and early. Love to see it. Just doing my job, coach. Humble and hardworking. Those qualities like to see in a draft. Évidemment, mec. But you already knew that. Let me show you the locker room. Let's do it. So, obviously, you've seen one of these before. Hey, ah, mais oui, il n'y a pas de patte aussi qui est là. Russell Westbrook, Patrick Beverley. Putain, j'avais oublié. Quick study. We put the starter's name on the whiteboard. LeBron James. Il est où LeBron James? Il est pas là, LeBron James. Salut Eddie. Injuries happen. People perform or they don't. Il y a pas le GOAT, les gars. Le GOAT est le GOAT. On va avoir un doublé de GOAT, les mecs. Come on, let me show you my office. Come on.
Vlasova, c'est le poste 4 titulaire. Oh my god. Je suis où, moi, les gars? Hey, man, you got no idea. Like I said, we wanted to see how you performed under pressure, so we put a lot of weight in your performance in the Summer League Championship. Yeah, you were very clear about that. Communication is super important in this organization, so I am glad to hear you say that. And I'm also glad to let you know that you'll be our sixth man to start the season. Voilà, putain, encore heureux vu ce que j'ai fait avant. Okay, can't be mad at that. Ah, il pensait titulaire. You'd be a little higher in the joy scale than can't be mad at that. Il finit quand même 17e ou 18e choix draft. Pas mal, 6e. Getting a little pocket money there. Yeah, I joke when I'm upset too. I'm not upset. It's just I haven't come off the bench since my freshman year in college, and before that, never really. I get that, but sixth man at this level is a big responsibility. People have long careers in that role, and you haven't even played a game yet. I feel you. I feel you, man. It's just I have high expectations for myself. And vas-y, au calme, les gars. C'est déjà bien. Hein. Tous les NBA 2K, frérot, à chaque fois, on commence au fond du trou, frère. Même si on est first pick, on commence au fond du trou. Là, je pense que c'est bien. Zimum, déjà, c'est grave bien. En plus, ça montre que les objectifs de Summer League, je les ai accomplis. Et du coup, eux, ça, ils le font vraiment, tu vois. So, yeah, that's pretty much it. If you want to get dressed, you know where your locker is, and once you're ready to head to the court, it's the tunnel across from the locker room. Any questions? Ah, cool. Let's go, baby. Au coup de blabla, mais ça va, c'est intéressant, je trouve ça cool. Ça change de d'habitude, tu vois, c'est cool. Je sais pas ce que vous en pensez, mais... Le casier... Ah, n'oubliez pas de remettre votre tenue de ville après un match, si vous ne voulez pas donner vos conférences de presse avec votre maillot de match. Ok, let's go, les gars. Ça c'est stylé, les gars. On a Lonnie Walker qui est là, Reeves, Kendrick Nunn. Ok, donc moi, il n'y a pas mon nom. Et je suis à côté du truc du frigo Gatorade. Ah mais non, je suis pas là, en fait. Et con, lui, hein. Ah, les gars, je suis à côté d'Haïti, je suis là. Je suis là, les gars. Oh, il y a Russell, Pat. Oh, je suis à côté d'Heidi, pas loin. Oh, LeBron. Oh, LeBron, ça va comment? Je peux te dire bonjour ou pas? On bat les couilles, frère. Calcule pas, frère. Pour l'instant, j'existe pas hein, pour lui. Hein. Oh, beau gosse. Oh, j'ai du flow. Et du coup, faut que j'aille dans le match, là. Eh, c'est stylé, les gars. Hein. C'est stylé, en vrai. C'est vraiment stylé. Hein. Ok, bro, notre premier match NBA, messieurs dames. On est à San Francisco. Let's go! C'est trop stylé! Les gars, on affronte Stephen Curry pour notre premier match NBA quand même. Les Warriors, bon, on va pas le défendre en personne, hein. Même si on risque de le jouer un petit peu. Vu qu'on est quand même 6ème homme, on va avoir pas mal de minutes. Franchement, je kiffe, les gars! Le coach, il me rentre, il reste 8 minutes! Putain, mais je joue de ouf! Putain, je suis content, sa mère! Et enfin, on joue, les gars, il y a eu tellement de cinématiques, je suis content de jouer. On rentre avec Patrick Beverley. On mène 13 à 11 face aux Warriors, les gars, cette équipe des Lakers qui, dans la vraie vie, je sais pas trop quoi en penser. Hein. Je vais pas vous mentir, on a AD sur le terrain, Vlasova sur le terrain, toujours. On a le bronbron encore, les gars, putain! J'ai eu une érection, ça y est. What? On a Andrew Wiggins, Steph Curry. En fait, on a le 5 majeur des Warriors en face. Donc ça fait plaisir, les gars, vraiment, c'est trop lourd. Ça va être dur de défendre Clay, j'ai l'impression d'être petit, contrairement à lui. Ok, il me joue au poste en plus. Ok, I took that personally. Ok, c'est le bonbon. On va faire un petit système. Ok, il veut pas le système. Il y a pas de problème. Oh, il me la donne. LeBron, il m'a donné la balle dès le début. Oh putain. Viens là, Heidi. Pick and roll. Oh la lenteur, les gars, que j'ai. Qu'il passait, les gars. Ah, les gars, c'est pas la Summer League là, mon ref. Voilà, la lenteur de la passe. T'as peur. Mon dieu. Là, c'est le premier match NBA. Donc forcément, on n'est pas sur les mêmes difficultés. Bonne day. Ok, Kunelvi. J'y vais. Let's go! Mon premier panier, les gars! Mon premier panier en NBA. Putain, par contre, vraiment, les ralentis, c'est un bonheur. Ils en ont rajouté de ouf, ils sont vraiment stylés. Hein. Bon, en tout cas, début de la saison NBA. Début de cette carrière en NBA, les refs. Ça va très vite, on va très vite en NBA. En vrai, j'ai toujours l'habitude. C'est que tu fasses au moins 3-4 vidéos, 3-4 matchs, tu m'as vu? Non? Bon, là, on va éviter de le jouer au poste. T'as l'avantage de taille, frérot. Est-ce que je peux mettre un shoot sur Clay, les gars? J'ai pas d'insigne GR. Hein. Nice shot. Nope. Dommage. Je peux pas encore, faut que je l'améliore, le perso. Ça va être compliqué au début, hein. Ça va vraiment être compliqué, les gars. Mais en vrai, ça... Bah, en fait, ça fait tellement bizarre de commencer directement au NBA. En fait, t'as l'habitude d'avoir de l'université, de... Nice D. Superbe défense. Bien joué. T'as l'habitude, tu sais, de commencer tout le temps un peu à l'université, au lycée. Et du coup, ça te permet d'améliorer aussi ton perso, tu vois. Et là, pour le coup, non. Oh, let's go, j'y vais. And one! Et du coup, là, non, tu rentres dans le bain direct. En plus, je suis que 80 de général. Oh, fuck. Wouah, c'est trop dur, frère. C'est trop dur, frère. Du coup, faut vraiment, tu rentres dans le bain très vite et c'est motivant. En vrai, c'est vraiment motivant. Je sais pas ce que vous en pensez. On va avoir une vraie progression, on va vraiment galérer.
On va vraiment kiffer aussi. C'est trop bien. Je parle beaucoup pour rien dire, les gars. Je suis désolé, mais je suis vraiment content, les gars. Pour le moment, je suis agréablement surpris. Autant la ville, j'ai l'impression, tu sais, que c'est tout le temps celle de 2K22. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas la même, mais t'as un peu cette sensation. Et tu sais, en fait, il y a beaucoup de ressemblances avec 2K22, mais beaucoup de choses qui font kiffer, qui sont différentes et qui rassurent, tu vois. J'ai l'habitude, les gars, de commencer au fond du banc. Tu joues contre des joueurs qui puent la merde, que personne ne connaît. Là, frérot, premier match NBA, je défends Klay Thompson. T'as capté? C'est compliqué. Faut que je laisse la balle à LeBron et tout, je pense. Faut que je le laisse créer et j'essaie de gratter un peu. Oh, bien, ouais. En fait, là, dès le début, j'ai envie de croquer, de faire des trucs, mais je peux pas. J'ai pas d'insigne, j'ai rien. En plus, c'est la création des persos. Je sais pas si vous avez vu ma vidéo que j'ai sortie sur Los Angeles, quoi. Oh. Ultra compliqué maintenant de créer. Enfin. C'est fini les persos ultra abusés, ultra cheatés. Maintenant c'est... Pour l'instant je suis trop lent et j'ai Clay, frère. L'un des meilleurs défenseurs du jeu et de la terre sur WAM. Frère, je mets 10 ans à faire une passe. Ok, là on a DiVincenzo sur nous, les gars. On va pouvoir jouer un peu. Nice shot. Voilà. Là c'est pas la même. Putain. On a Thomas Bryant avec nous, Kendrick Nunn qui a fait la Summer League aussi. On a Jordan Poole qui est défendu. En vrai c'est pas mal. Là c'est mieux pour moi, là je valide. Il est au calme, wesh. Là, par contre, je vais être le boss de la seconde unité. Ça, c'est pas mal pour le temps. Au moins, je me chauffe un peu. Le coach me sort, il me re-rentre. Coucou. Putain, je suis sur Clay. Je vais faire des cauchemars ce soir de Clay Thompson, les gars. Je vous jure. Je vous jure. 31-25 pour nous. 4 points, un rebond, une passe. 2 pertes de balles. En vrai, il y a juste les 2 pertes de balles qui font yach et l'anneau de D+. Sinon, ça va. Là, je parle un peu moins d'actualité, les gars. Je parle un petit peu moins de l'année. Hein. Vraiment, on va avoir une année de ouf, hein. Je vous promets, ça va être une dinguerie. Vraiment, surtout qu'il y a 23, tout ça. J'espère que vous serez présents et que vous êtes chaud. Pensez à liker tout ça. Mais là, je mens pas, Clay. En fait, d'habitude. Ok, ça va. LeBron, le rebond, s'il te plaît, frère. Je t'aime. Hein. Franchement, je te vénère même, mais s'il te plaît. Quand LeBron, il est sur le terrain, je peux pas provoquer les systèmes et tout. Je suis un peu. Ça te choque. Oh oui, monsieur, let's go. Oh, j'ai un truc de leadership, j'avais pas vu. J'ai un objectif de leadership, les refs. Faut que je mette 5 paniers. Let's go, le dunk. Ça fait plaisir, les gars. C'est mon premier match NBA. Hein. Je galère, c'est un truc de baiser. Ok. Oh, il y a un système, les gars, c'est même pas moi qui ai demandé. Ok. Il va le jouer, il est sur Curry. Bien, ouais. Il y a les systèmes automatiques, let's go. Oh, je suis tout seul, les gars. Je suis tout seul, les refs. Tir forcé, mais depuis quand c'est un tir forcé, frérot? Je suis wide open. Et je suis freeze, mais gros. Je suis passé, let's go. Voilà, merci, 4e panier. Je vais forcer les spins, les gars. Les spins, ils passent à chaque fois, hein. Je vais les forcer, gros. A chaque fois, je passe grâce au spin. Et à la fin de la première mi-temps, nous menons 52-49. En vrai, je fais un match moyen. 8 points, une passe, 2 rebonds, mais 3 pertes de balles. Mais au calme, on va faire une bonne deuxième. Je sais pas, vous kiffez en tout cas. Je sais pas, vous passez un bon moment. Putain, ils ont takeover équipe, les refs. Déjà, je galérais sur Clay. Il a son takeover de lock, là. Putain, mais c'est un délire. Non, bonne dé. Mais wesh. Oh, la sauce. Oh, la sauce curry, Clay, là. Mon Dieu. Ouais, ils sont champions de NBA, quoi, hein. Beau gosse, super bien, wesh. Let's go, baby. Et on débloque le bail de leadership là. Bon délire. Ok, you see me, bro. Et moi j'ai si. Oh. Il a son takeover de. Oh oui, oh oui. Mais non, mais je. Oh oui, oui, let's go, le poster. J'ai des détails de Tuki 23, ça, les gars, mais je kiffe. Vraiment, je kiffe de ouf. Maintenant, j'y vais. Magnifique. Les cuts, je suis pas mal. Je fais pas des trucs de ouf comme j'ai fait avec la en Summer League, mais je fais un peu ce que je peux. En vrai, si je pouvais mal marquer 15 points, 20 points, ce serait bien déjà pour un 16e moment. J'y vais. And one. Je passe dans le dos. Oh, beau gosse. Waouh. J'ai pris trop l'habitude de jouer avec des équipes de merde, moi, les gars. C'est tellement bien. Je comprends les gens qui veulent des bonnes équipes. Bien, wesh. Ouais, magnifique. C'est-à-dire... Oh, on a un système, les refs. Ok. C'est mon moment, les refs. C'est mon premier pas, il est pas mal. Oh. 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 Mais gros, mais je vais trop vite. En fait, une fois que je suis parti, je suis instoppable. Mais c'est d'une beauté, frérot. 18 points, 2 rebonds, 3 passes.
Bon les gars, c'est la fin du match de notre premier match NBA avec MPG. On gagne ce premier match. En vrai, j'ai eu énormément de mal au début, mais finalement, ça s'est plutôt pas trop mal passé. Je suis plutôt content. Et j'espère que vous aurez kiffé les gars. On gagne ce match. On met même une petite tolasse là sur la fin. Franchement, lourd. J'espère que vous avez kiffé les gars. C'était un gros match déjà pour commencer. J'ai fait un gros match et ça fait plaisir. C'est différent d'habitude. J'ai pas l'habitude les gars de commencer direct par des matchs NBA. Du coup, ça m'a foutu une pression de ouf. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo les gars. Si c'est le cas, pensez à liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et nous les gars, on se retrouve demain. Voilà. Et puis let's go baby, c'est tout. Voilà. Moi là, faut que j'aille manger, je stream dans une heure. Du coup, vous m'excusez si je pars vite, mais il faut que j'y aille. J'ai faim, j'ai très faim. Je vais manger du pâté de poisson. Voilà. J'espère que vous êtes contents de le savoir.